Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça va être 3 jours dans mon assiette. Je vous explique tout, c'est parti. Donc, comme je viens de vous le dire, on va passer 3 jours ensemble et je vais vous partager les recettes que je vais faire pendant 3 jours. Donc aujourd'hui, je vous reprends sur l'heure de midi. Donc il est midi et demi. J'ai pas préparé le petit-déj avec vous. Mais parce que globalement, j'ai pas préparé de petit-déj ce matin. Donc, je préférais commencer ce midi. Je trouvais ça plus sympa. On va faire 3 jours ensemble. Bon, pas 3 jours d'affilée. Parce que là, on est jeudi. Et ce week-end, vu qu'il y a des petites choses de prévues, globalement, j'aurai pas grand-chose à vous montrer. Donc, on reprendra à partir de lundi. Mais aujourd'hui, c'est le premier jour. Donc, pour ces 3 petits jours dans mon assiette. Et ce que j'avais envie de faire là, ce midi, c'est tout simplement une salade composée. Donc je vais vous montrer tout ça dans quelques secondes, vous allez voir ça. Je vais faire des œufs durs, il va y avoir je pense du maïs, du thon, des tomates, des cœurs de palmier peut-être. Je vais voir en fait ce que j'ai dans le frigo et ce que j'ai dans les conserves. Et on va faire un truc un peu sympa, on va essayer. Et voilà, donc let's go, c'est parti. Direction la cuisine pour faire la première recette de cette vidéo. Bon, je vous reprends. Oula, vous ne me voyez plus. Je vous reprends beaucoup plus tard. Il est 21h30. Je reviens de la danse.
Et je vais donc essayer de trouver quelque chose à manger, puisqu'il n'y a plus rien. Je ne sais pas ce que je vais manger. Je n'ai point d'inspiration. Il y a un manger qui doit se faire à manger. Ouais. Je sais pas. Il y a du poulet. Je crois qu'il y a du poulet pané. Ouais, je crois. Elle en a racheté ma mère. Hein? Pouvez-vous me tenir cette jeune caméra? Il y a ça, les escalopes panées. Ouais, c'est bon, fais ça. Moi, je vais faire la petite patate douce avec. Ah. Je viens de faire des petits pois. Tu peux prendre la caméra, s'il te plaît. Le mec, il se n'achève. Ne me vole pas mon YouTube. Merci bien. Non mais j'hallucine, mais il vous a volé à moi. Donc on va faire ça. C'est les escalopes de poulet panées de chez Picard. C'est une tuerie intersidérale. On les fout au four ou à la poêle? À la poêle, ça prend moins de temps. Et je vais me faire moi de la purée de patates douces. Je vais la finir. Picard aussi, c'est un délire, c'est trop bon. Et du coup, Nam, il va se faire des petits pois. Oui. On va se sortir les petits pois. C'est une grosse boîte. T'en fous? Je sais pas, je vais m'en retirer demain. Aïe. Et petit pois. Bon. On va faire tout ça. Let's go, c'est parti. Je peux mettre un peu d'huile d'olive dans la poêle pour les escalopes. Je sais pas. On se retrouve pour le deuxième jour de cette vidéo. On est vendredi, bah, c'était un peu à la lumière quand même. On est le midi et je vais donc faire à manger. Je pense que je vais faire une tarte chèvre courgette. Ça fait très longtemps que j'en ai pas mangé et j'adore ça. Avec de la salade, tout simple. Salade verte, tout simple. Avec de l'huile d'olive et du balsamique, c'est tout. Donc je pense que je vais faire ça. Je vais regarder si j'ai tout pour la faire. Normalement oui, mais je vais quand même vérifier. Let's go. Bon, bonne nouvelle, j'ai absolument tout pour faire ma recette. Heureusement qu'on a des courgettes Picard par contre, parce que sinon j'en avais pas. Donc let's go pour faire ma petite tarte. Moi je vais mettre dans les oreillettes changer l'eau des fleurs. Je le prends sur Audible, changer l'eau des fleurs de Valérie Perrin. Et j'en suis au chapitre 49. Il me reste 8 heures d'écoute. Bon allez, let's go faire à manger et écoutez ça.
tout le monde. On se retrouve pour le dernier jour de ces 3 jours dans mon assiette. On est lundi. Ce matin, je vous ai pas pris parce que j'ai pas pris de petit-déj. J'avais pas faim. J'ai juste bu du lait chocolat noisette de la marque Alpro, qui est délire sur cette planète. Donc j'ai bu juste ça ce matin. C'est tout. Et là, on va prendre le repas du midi. Je sais pas du tout quoi. C'est plein de quelque chose de constant, ouais. C'est extrêmement froid, là. Je vais regarder ce que je peux faire. Je vous reprends juste après. On va faire des petits manchons de poulet de chez Picard. Nami s'en est déjà fait qui restait dans sa chèvre. Bon, c'est pas Picard. Donc on va faire ça et il nous reste de la soupe et des frites de hier. Donc on va finir les restes, pas gâchés, horreur de ça. Donc ça va être ça, le petit repas du midi, les petits restes. Et ça sera très très bien et amplement suffisant. Coucou tout le monde, on se retrouve à la fin de cette vidéo. Désolée, je vous retrouve avec une tête, mais j'avais pas prévu de me filmer aujourd'hui. Et je viens de finir le montage de cette vidéo et je me rends compte que c'est une catastrophe. Puisque je ne vous ai pas filmé les soirs, je ne vous ai filmé quasiment que les midis dans cette vidéo. C'est n'importe quoi. Bref, elle est montée donc je vais vous la poster. J'espère qu'elle vous plaira quand même, il y a quand même 2-3 recettes à l'intérieur. Et peut-être des choses que vous ne connaissez pas et que bah, vous allez connaître grâce à cette vidéo. Donc j'espère que ça va quand même vous plaire, n'hésitez pas à liker si c'est le cas. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tiens.